Au plaisir de vous retrouver dans la première grande édition de cette nouvelle semaine sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les titres. Les travaux de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont pris fin dans les différentes régions du Mali. À chaque niveau, des propositions de solutions pour la paix et la réconciliation ont été faites. Vous en saurez plus dans cette édition. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, le Conseil national de l'Ordre des médecins et la Société des eaux minérales du Mali ont attiré l'attention de la population sur l'importance de l'eau pour la santé et le bien-être des êtres vivants. Des centaines de personnes et une centaine d'interventions chirurgicales de la cataracte, tel est le bilan de la deuxième édition de la campagne gratuite de consultation et de chirurgie de la cataracte de la polyclinique Les Orangers. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, une fois de plus aux informations. Fin des travaux de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sur l'ensemble du territoire malien. Au cours des assises, des recommandations ont été formulées par les participants pour renforcer la concertation au niveau national prévue au mois de mai prochain. La cérémonie de clôture des assises du district de Bamako a eu lieu cet après-midi au Palais de la Culture Amadou Ampateba en présence du gouverneur du district de Bamako. Nous allons revenir sur cet élément avant la fin de ce journal. L'étape régionale du dialogue intermalien a pris fin ce lundi, je vous le disais tantôt. Ce forum visait, selon les autorités, à résoudre les désaccords entre les communautés. Dans la région de Mopti, des propositions de sortie de crise ont été faites par les participants. Le retour des populations déplacées internes ainsi que le retour définitif de la paix ont été maintes fois réaffirmés. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Après trois jours de discussion sur les cinq thématiques, dont la sécurité, la gouvernance et la politique, les participants ont formulé des recommandations. Parmi les nombreuses recommandations, on peut citer le retour des déplacés internes. Et plus globalement, les participants venus des sacs de Djéné, Mopti, Kona, Kourianzi, Soufara, Tenengou, Togorekoumbe et Youarou ont insisté sur le retour de la paix dans la région. À l'issue des travaux, un rapport de 47 pages est fourni avec plus d'une vingtaine de recommandations formulées à issue de cette phase régionale du dialogue intermalien à Mopti, un dialogue d'apaisement entre Maliens dans la ville du rassemblement apprécié par le représentant du comité de pilotage. Et ensuite, malgré la diversité des idées, dans une conclusion commune de recherche de paix et de cohésion sociale. Ce qui nous a permis aujourd'hui de rentrer à Bamako vraiment le cœur net, comme quoi les assises ont été très bien menées au niveau régional, au niveau communal. Et ensuite, que les désidérata des uns et des autres ont été pris en charge au niveau de la région et que tout le monde, malgré la diversité des opinions, tout le monde est prêt à ce qu'on aille à la paix et à la réconciliation nationale. Le chef de l'exécutif régional salue la qualité des échanges et soutient que ce dialogue est une grande opportunité à saisir afin d'instaurer la paix et la réconciliation au Mali, surtout entre les populations des 44 communes de la région de Mopti. Nous exprimons notre gratitude à l'endroit des différentes participantes et des participants qui ont affiché un réel engouement dans les débats et dans les thématiques, ce qui affirme que le volontaire, l'individu, est plus enclin à exceller dans ce pourquoi il est volontaire. Et là, c'est à retenir. Et sur un autre plan, les valeurs séculaires qui sont les nôtres nous ont permis de nous rendre compte, de valider que ces valeurs peuvent être des intrants réels pour les perspectives d'avenir de ce pays. À Mopti, le dialogue intermalien a été trois jours d'intenses travaux, des moments de discussion, des instants de propositions et de recommandations qui enrichiront les débats dans le vestibule national en mai 2024. À Tombouctou, la phase régionale du dialogue intermalien a permis aux délégués venus des 13 cercles de la région de discuter des vrais problèmes qui entravent la paix et la cohésion sociale afin de trouver des solutions définitives. Boubacar Djité, depuis Tombouctou, nous en parle.
Pendant 72 heures, les délégués venus des 13 cercles de la région de Tombouctou vont échanger sur le vrai problème qui entrave la paix et le vivre ensemble dans la région. La discussion doit se faire sans tabou ni influence extérieure. Il n'y a pas de sujet tabou. Il vous est permis de tout, tout, de dire tout. Et nous, notre rôle, ce n'est pas de vous influencer, ce n'est pas de vous orienter, mais c'est plutôt de venir vous constater le déroulement des travaux et au besoin vous apporter un appui technique. Convaincu que de la discussion jaillit la lumière, les participants restent optimistes. Ce dialogue n'est pas comme tous les autres dialogues, parce qu'on dit dialogue intermalien. Depuis hier, ici à Tombouctou, au niveau régional, nous sommes en train de se dire face à face ce que nous pensons. Nous pensons que ce dialogue peut amener tout ce dont les Maliens en ont besoin, et surtout la paix. Ce dialogue apporte beaucoup pour nous les femmes. Parce que quand il y a un conflit, ce sont les mamans, les femmes en tant que mamans qui perdent. Donc avec le dialogue, avec cette rencontre intermalienne, je sais qu'il y aura le retour de la paix, Inch'Allah. Et c'est vraiment un dialogue qui permettra à tous les Maliens de se donner la main, de se parler, de se dire la vérité et vraiment d'échanger sur la vie de la nation. Vraiment, je pense qu'avec ce dialogue, vraiment la solution, il y aura vraiment la solution, Inch'Allah. Ce dialogue intermalien doit permettre de restaurer un Mali de paix où il fait bon vivre. Nous participons à cette concertation régionale du dialogue direct intermalien de Tombouctou de contribuer à jeter les bases de sa refondation en vue de permettre au gouvernement de transition de bâtir la maison Mali en prenant en compte les besoins actuels et futurs des citoyens maliens, et cela en harmonie avec nos pays voisins. Il faut rappeler que cette phase régionale est la suite de la phase communale tenue il y a une semaine. Restons toujours dans le même registre. La cérémonie de clôture des travaux de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale du district de Bamako a eu lieu cet après-midi au Palais de la Culture Amadou Ampateba sous la présidence du gouverneur du district de Bamako. Compte rendu, Bakary Msidibé, Mantala Ouattara. Le Mali, longtemps cité comme un modèle de démocratie en Afrique, est aujourd'hui confronté à de multiples défis qui ont fragilisé l'État et détérioré les tissus sociaux. Ainsi, pour faire des meilleurs choix de solutions aux problèmes qui assaillent notre pays, que cette initiative a été engagée par les autorités. Après 3 jours de travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par des participants à cette phase régionale du dialogue intermalien. Renouer le dialogue avec la classe politique, rendre opérationnelle la carte biométrique Mali-Kouroua, prolonger la transition jusqu'aux élections prochaines, soit une durée de 12 à 36 mois, supprimer le poste de juge d'instruction dans les tribunaux, lutter contre l'impunité sur toutes les formes et informaliser les services de l'administration publique et intensifier la formation continue, élever le président Modibo Keïta au grade des héros national pour qu'il soit enseigné dans les écoles primaires, et enfin réduire le train de vie de l'État. Au cours des assises, les 5 thématiques ont été discutées dans la plus grande courtoisie, une véritable transparence et remarquable civilité par les représentants des différentes couches sociales. Une mobilisation et un engagement citoyen qui témoignent déjà de la volonté des Maliens à tourner la page pour l'avènement des Mali nouveaux où il fera bon vivre. Je voudrais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont accepté de participer à cet exercice de réflexion profonde sur les voies et moyens de la restauration du vivre ensemble et de la paix durable entre filles et fils de notre pays, le Maliba. Permettez-moi de féliciter chacun de vous pour son implication personnelle et ses précieuses contributions, et de saluer la sérénité ainsi que l'esprit de concorde et de respect mutuel qui ont prévalu tout au long de ces journées spéciales, preuve évidente de l'engagement et du patriotisme inébranlable de tous les participants. Les discussions tenues en séance plénière comme dans les 5 groupes de travail ont permis aux uns et aux autres de s'exprimer librement et de formuler des propositions et recommandations pertinentes relatives aux préoccupations du temps, à savoir la paix,
la sécurité et la défense du territoire. Les propositions et les recommandations faites au cours de cette phase régionale feront l'objet d'un document qui sera soumis à la phase nationale prévue au mois de mai prochain. Vous l'aurez compris, c'était plutôt un compte-rendu de Bakary Mcidibé et de Maïmouna Ouédraogo. Sur un tout autre plan, le Conseil national de l'Ordre des médecins et la Société des eaux minérales du Mali ont célébré ce samedi à Koulikoro la Journée mondiale de l'eau. Cette célébration avait pour objectif de mettre l'accent sur l'importance de l'eau pour la santé et le bien-être des êtres vivants. Oumar Kouita. En célébrant la Journée mondiale de l'eau, le Conseil national de l'Ordre des médecins et la Société des eaux minérales du Mali veulent attirer l'attention sur l'importance de la consommation de l'eau potable pour le bien-être de l'homme. À cette occasion, les médecins et les acteurs de l'eau ont expliqué les avantages d'une hydratation adéquate et l'importance de l'eau de qualité. On doit boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est le besoin essentiel du corps humain. Et vous avez vu dans la présentation, c'est un minimum dans des contextes comme chez nous, des pays chauds. Il faut boire un minimum de 3 litres d'eau chaque jour. C'est le minimum. Le 22 mars marque la Journée mondiale de l'eau, une journée dédiée à la sensibilisation, à l'importance de l'eau douce et à la défense d'une gestion durable des ressources en eau pour tous. La Société des eaux minérales du Mali est honorée de nous associer au Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali pour célébrer cette ressource essentielle à la vie et à la santé humaine pour la toute première fois au Mali. La célébration de cette journée a été également marquée par la signature d'un contrat de partenariat entre le CNOM et la CEMM. Ce contrat permettra de mener des tests sur l'eau Diago de la société et de faciliter son accès aux réseaux médicaux. Chers membres de l'Ordre des médecins et participants, l'eau est au cœur de notre bien-être et sa qualité a un impact direct sur notre santé. C'est pourquoi la Direction générale de la Société des eaux minérales du Mali a tenu à créer un partenariat responsable avec les CNOM afin de nous aider à garantir l'accès à l'eau de qualité vérifiée à la population malienne. De nos jours, beaucoup de Maliens se retrouvent confus face à la multiplication de marques d'eau, de multiples marques d'eau embouteillées sur le marché, dont certaines ne respectent pas les normes. Cette réalité est un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Nous veillons à ce que notre eau minérale soit soumise à des contrôles rigoureux et réponde aux normes les plus élevées de sécurité et de qualité alimentaire. Pour concrétiser davantage leur partenariat, les deux entités comptent mener dans les prochains jours des actions de sensibilisation auprès du public sur l'importance de la consommation de l'eau de qualité. Du 15 au 20 avril 2024, la Polyclinique Les Orangers a organisé la deuxième édition de sa campagne gratuite de consultation et de chirurgie de la cataracte. Cette deuxième édition a permis la consultation des centaines de personnes et une centaine d'interventions chirurgicales de la cataracte. Le point avec Assitan Diallo, Ibrahim Dao. Pour la deuxième fois consécutive, la Polyclinique Les Orangers organise sa campagne gratuite de consultation et de chirurgie de la cataracte à Banankoro, dans l'enceinte de la structure sanitaire. Cette initiative de la Polyclinique Les Orangers, qui vient en appui aux autorités sanitaires dans la prise en charge de cette pathologie, vise à réduire le nombre de cas de la cécité au Mali. Il s'agit essentiellement d'une caravane ophtalmologique gratuite, qui consiste à faire une consultation de masse. Et lors de cette consultation de masse, donc nous allons recruter, n'est-ce pas, donc les cas de cataracte à opérer, les cas de chirurgie de la cataracte, étant donné que la cataracte elle-même est la première cause de cécité évitable dans nos pays. Nous sommes là dans ce cadre, c'est-à-dire dans le cadre de la lutte contre la cataracte par la chirurgie. Et nous avons un objectif de 100 personnes à opérer gratuitement de la chirurgie de la cataracte. Donc c'est un fardeau qu'on va lever de la tête de la population. En même temps, on va aussi appuyer, n'est-ce pas, donc les autorités sanitaires par rapport, n'est-ce pas, donc à la réduction de l'incidence de cette pathologie. Elle s'adresse pas uniquement aux gens de Banankoro. Il y a des gens de Banankoro qui sont en priorité. Il y a Senou, il y a Bamako. On a même des patients qui sont arrivés de Séou, de Koutiala.
Donc la campagne est ouverte pour tout le monde. L'administration de la polyclinique Les Orangers, tout en exprimant sa satisfaction, promet de pérenniser cette initiative. Donc l'année dernière, on a opéré une centaine de personnes. Et les mêmes chiffres sont pratiquement atteints déjà cette année. Donc nous allons nous battre pour pérenniser une telle campagne. Nous sommes satisfaits de l'organisation, nous sommes satisfaits de nos partenaires. Et nous sommes surtout satisfaits d'avoir rendu la vue à des Maliens et empêché certains Maliens de perdre la vue également. Donc la satisfaction est totale. Les bénéficiaires de cette deuxième campagne gratuite de consultation et de chirurgie de la cataracte ne peuvent que se réjouir de l'initiative et de la qualité de service. Ils ont été très bien accueillis et l'opération s'est très bien passée dans de très bonnes conditions. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, je suis revenu pour les pansements et encore Dieu merci, ça va. Pour qui connaît le coût de la chirurgie de la cataracte, cette initiative de la polyclinique Les Orangers est salutaire. Surtout que la consultation jusqu'à la délivrance de produits post-opératoires, tout était gratuit dans cette campagne. Et les patients sont venus en plus de Banankoro, de plusieurs localités du pays. Très belle initiative. La 9e Assemblée générale ordinaire de l'Association des jeunes cadres pour le développement de Soulou s'est tenue ce samedi 20 avril 2024 à Bourouya, dans la commune de Koundia, cercle de Bafoulabé. Cette assemblée a réuni un grand nombre de participants et a abordé plusieurs problématiques importantes en lien avec la commune. L'un des principaux sujets discutés lors de cette assemblée était le problème foncier. Des solutions ont été proposées pour résoudre les problèmes et assurer une gestion équitable des terres dans la zone. Lolo Madibaté, de retour de Souloum, nous en parle. Cinq principaux sujets ont été débattus par la population de Souloum lors de cette 9e Assemblée générale ordinaire, dont le problème des transmasses. Les participants ont discuté des défis liés à la mobilité des troupeaux et au conflit entre éleveurs et agriculteurs, tout en soulignant l'importance de l'éducation pour le développement de la zone et identifier les problèmes tels que le manque d'infrastructures scolaires et le faible taux de scolarisation. Les participants ont proposé des mesures pour favoriser une coexistence pacifique entre ces activités et prévenir les conflits. Les crises foncières qui sont vraiment très très récurrentes actuellement à Soulou. En plus, il y a la transhumance, les éleveurs qui viennent dans le secteur pour les troupeaux et qui vraiment causent des dégâts pour les cultivateurs. Donc ce sont les deux sujets. Au-delà de ça, il y a également, bien évidemment, il y a l'éducation et puis la santé aussi. Toumbundi, un village voisin de Djoulafoundou Bourouya, où s'est tenue l'assemblée, a été attaqué le même jour de la rencontre. Une occasion pour les autorités locales d'inviter les autorités nationales à faire face à cette nouvelle menace dans la zone de Soulou pour en renforçant la sécurité et protéger la population. On vient de m'informer que les bandits ont attaqué un de mes villages, qui est un secteur, comme je l'ai dit, très enclavé. Très enclavé, ça veut dire beaucoup de choses, pas seulement les routes, mais nous n'avons même pas de réseau téléphonique. Les réseaux téléphoniques, c'est vraiment aujourd'hui une nécessité pour le secteur de Soulou. Donc il serait mieux que l'État pense à nous, à nous assister, à nous aider, à avoir au moins des réseaux téléphoniques pour pouvoir passer l'information. Et je suis resté aujourd'hui, vraiment j'étais très 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 inquiet, parce que j'ai vu que quand on m'a informé qu'un de mon village a été attaqué, où on a même arrêté, on a même récupéré des motos, la quarantaine de quelqu'un, j'ai demandé toujours de faire des postes de sécurité. Je l'ai toujours demandé au niveau de Soulou, au niveau de la commune. L'association continuera à travailler activement pour promouvoir le développement économique, social et culturel de la région. D'une association à une autre, l'Association pour la formation en sciences islamiques a procédé ce dimanche à Turukrobougou à la remise des attestations aux apprenants du Saint-Coran en fin de session. Selon les organisateurs, la formation a pour objectif de valoriser la lecture du Coran et renforcer la compréhension de la religion. Oumar Koïta nous revient.
Créée depuis une dizaine d'années, l'Association pour la formation en sciences islamiques s'emploie à donner une seconde chance aux musulmans pour apprendre les cinq courants dans un bref délai. Ainsi, les apprenants de niveau 10 et 17 en fin de session reçoivent leur attestation. Alhamdoulilah, comme d'habitude, nous, très généralement, nous sommes en formation modulaire. Et c'est une formation de 3 mois. Après chaque 3 mois, nous organisons une cérémonie de fin de session. Donc, pour au moins pour la remise des attestations de niveau 10 et niveau 17, et remise des bulletins aussi aux autres niveaux. Ça, c'est après chaque 3 mois. La formation même, c'est une formation modulaire de 3 mois. Chaque 3 mois, donc maintenant, les évaliés passent à un niveau supérieur. Dans tous nos SAT de AFSI aujourd'hui, nous avons 360 récipiendaires qui ont validé le niveau 10 et 150 qui ont validé le niveau 17. Le parrain de la promotion et les récipiendaires ont exprimé toutes leurs reconnaissances à l'AFSI. Donc AFSI m'a fait cet honneur. Je ne peux que les remercier et encourager tous les auditeurs à œuvrer davantage pour que AFSI soit toujours au meilleur niveau. AFSI, c'est vraiment le creuset de la connaissance, le creuset de l'apprentissage du Coran. Et j'invite, pour ceux qui ne croient pas encore à AFSI, de venir apprendre le Coran, apprendre sa religion. Voilà, donc je remercie AFSI pour ce dévouement, le dévouement pour la promotion de la culture islamique. Cette formation des sciences islamiques permet à tout un chacun de se valoriser et de pouvoir comprendre l'islam, les règles de l'islam et la lecture du Coran. Cette cérémonie a été marquée par la lecture du Coran, des jeux sur l'islam et la remise d'attestation. A rappeler que l'Association pour la formation en sciences islamiques dispose de 57 centres de formation à Bamako et environnant. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Les idéalistes sont des prophètes qui s'ignorent. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.